Bonjour, bon après-midi et bienvenue. C'est le dernier jour, le quatrième jour de Knowledge à la table, House of Paint Knowledge Conference. Et nous sommes tellement fiers de notre prochaine présentatrice, Smith Michel. Oh, c'est où? Oh. Mick Michel est une artiste graffiti franco-ontarienne, femme métissée. Elle est du Nipissing West. Mick a comme objectif d'abolir les stéréotypes négatifs du graffiti. Elle espère également sensibiliser le public aux réalités des minorités visibles et invisibles, ainsi que s'assurer que la jeunesse et les communautés dont elles visitent ont les outils pour partager leur message. Aussi, mettre de la couleur sur tous les murs. Tous les murs d'Ottawa, tous les murs de Northern Ontario, tous les murs du Mexique. Bienvenue, Mick Michel. Salut! Est-ce qu'on m'entend bien? Oui? Ouais? Génial. Ben, bonjour. C'est le fun de vous voir là. Je vois un peu la liste, je ne vois pas le visage. C'est un peu weird. Mais oui, merci beaucoup, beaucoup d'être là. Spécialement, je trouve que c'est super important dans les temps, dans qu'est-ce qu'on est en train de vivre, de se trouver des façons de participer, de continuer à faire des connexions, de continuer à se bouger le brain. Puis c'est ça, qu'est-ce que j'espère faire avec vous aujourd'hui, c'est oui, parler d'appropriation culturelle et ses conséquences, mais surtout s'assurer qu'on est sur la même page en premier. De c'est quoi le graffiti, c'est quoi des minorités visibles, invisibles, puis prendre du temps de faire ça. So, aujourd'hui, c'est ça, je regarde ma petite heure, je m'ai faite, là. Ça serait de parler d'identité, de consentement, de minorité, mais surtout de graffiti, puis quand ça vient de l'art, c'est quoi les conséquences par rapport à de l'appropriation culturelle. Est-ce qu'on m'entend bien jusqu'à présent? Tout est good? OK. Cool. Oui, merci Myriam. une chose aussi que je veux dire, à n'importe quel moment, des questions, commentaires, on veut traiter un morceau en particulier. S'il vous plaît, n'hésitez pas. D'embarquer, de lever la main, de poser des questions dans le chat. Veronica va être là en tout temps aussi. Encore une fois, Veronica, super awesome. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? House of Paint a toujours, je trouve, des recettes. Yeah, cool. All right, so, pour commencer, quand je parle de graffiti aujourd'hui, quand je vais parler de ma pratique ou quoi que ce soit, pour moi, le graph, là, puis là, je vais essayer de partager mon écran comme quelqu'un qui est habitué à faire des zooms. Quand je parle de graffiti, je parle de des choses comme ceci. Qu'est-ce que vous voyez devant vous? C'est un morceau par Cobra. Puis, dans le fond, ça, c'est à Miami, à Wynwood, un quartier qui est complètement recouvert de murales, de graffitis, de quoi que ce soit. Puis, quand je parle de graffitis, c'est exactement comme qu'est-ce que vous voyez ici. Tu sais, tout de suite, quand je vous demande, c'est quoi le message? C'est quoi l'intention de l'œuvre que l'artiste a faite? Cobra, comme qu'on peut voir, il vient du Brésil. Si tu regardes juste en bas, c'est vraiment d'arrêter les guerres. D'arrêter la guerre en particulier, mais c'est aussi, comment dire, quand il a fait cette murale-là, c'est quand que Donald Trump puis il faisait des menaces pour la Corée du Nord ou quoi que ce soit, puis tout de suite,
Il voulait passer le message que les gens qui habitent aux États-Unis, c'est pas nécessairement réflexion de la population. Sous, quand je parle de graffiti, je parle exactement de qu'est-ce qu'on voit. C'est d'avoir une œuvre dans le milieu public, une façon de communiquer quelque chose visuellement dans un milieu public, pour le public et par le public surtout. Je vais vous montrer un autre artiste. Vite fait. Ouh, y a des questions? Sais pas si on la voit, c'est assez grand. Ouais. OK. Je sais pas si vous voyez ici. Je vais vous donner une petite minute à regarder en entour. Pourquoi ça fait ça là? Est-ce qu'on le voit encore? Non? OK. Mais dans le fond, le morceau que je vais montrer, c'est Keith Haring. Puis quand je parle de graffiti, c'est ça exactement. C'est des années 70, des années qu'il y avait plusieurs gens que leurs droits n'étaient pas respectés, ou que la représentation dans les grandes villes, on n'écoutait pas qu'est-ce qu'il y avait à dire, mais une façon qu'on est capable de le faire, on le voit encore aujourd'hui, spécialement aujourd'hui, c'est d'utiliser les éléments de hip-hop afin d'exercer nos droits. C'est-à-dire comme, par exemple, si on se mettrait à New York dans les années soit fin 60, 70, quand c'était le disco, quand on chantait d'amour et quoi que ce soit, puis les gens ont commencé à mettre des beats ou quoi, des beats de leur communauté, comment dire, dans la musique afin que les gens les reconnaissent. Parce que à New York, à l'époque, toute la représentation était surtout des hommes blancs en politique. Puis c'était tous des gens de Manhattan, sous tous les petits quartiers d'alentour se sont assurés, à travers du hip-hop, de se faire écouter, surtout quand c'était dans le temps de tous les feux à Brooklyn. C'est cool? On voit ça? Yeah, on est toutes là. Awesome. OK. Est-ce que je peux faire le share? You're sharing the screen. OK. So, quand je parle de... Il est où mon calculateur? All right. So, quand je parle de graffiti, c'est exactement ça. C'est d'utiliser les murs, la communauté ou quoi que ce soit pour faire passer un message. So, comment dire, ici, si tu regardes avec Calcadam, je sais pas si vous le connaissez, il va par le nom de Dripping Soul. C'est quelqu'un qui est une minorité visible. Puis quand je veux dire minorité visible, est-ce que on voit qu'est-ce que je veux dire? Ça serait quoi une minorité visible? Old Baby Yoda. Veronica, yes. Quand on parle de minorité visible, c'est aussi, oui, c'est la couleur de peau, mais ça peut être quelqu'un aussi qui est à la mobilité réduite. Ça peut être, oui, absolument invisible, pas invisible. Mais il y a plusieurs choses qui rentrent dedans, comme déjà dans le monde des arts visuels, puis en regardant la liste aujourd'hui, je veux pas assumer tout le monde s'identifie en tant que femme, mais en tant que femme dans le monde, c'est une minorité. Ça pourrait être de faire de nous une minorité visible, spécialement si on regarde dans les galeries. Essayez de trouver une galerie qui a un nom de femme à Ottawa, ou regarde aussi encore les gares de prix, si tu regardes à Carfac en ce moment, qui est notre organisation d'artistes qui nous représente comme une genre d'union. Si vous avez la chance d'aller checker, Carfac, Carfac. Mais les gares de prix ou comment on se fait payer en tant que femme artiste, il y en a encore une grand écart dans le milieu des arts encore aujourd'hui. Ça fait de nous une minorité visible, mais aussi par la peau, qui fait en sorte, puis c'est un fait encore aujourd'hui, en 2020, que si tu es une minorité visible, tu as beaucoup moins de plateformes, puis tes droits sont beaucoup moins exercés, quoi.
Comme qu'on voit avec Joyce en ce moment, comme qu'on a vu avec Breonna Taylor, qui c'est une tragédie. Pour, on a vraiment, comment dire, on a failli à Breonna Taylor quand que la police a se fait charger d'avoir basically tiré dans le drywall, pas de tirer elle. Puis quand je parle de minorité invisible, si on parle aussi beaucoup de notre langue, en tant que franco-ontarien, c'est pas quelque chose qui se voit. Puis l'exemple que j'aime utiliser en salle de classe, tu sais, quand j'étais en classe avec les kids, je vais leur dire genre, oh, si je passe out tout de suite, quand t'appelles 911, est-ce que le paramédic il va savoir de m'adresser en français ou quoi que ce soit, que j'ai besoin des services? Non, ça se voit pas. Ça peut être aussi ton orientation qui fait en sorte que tes droits sont différents. So, je vais juste vous montrer. Quand ça vient au graffiti, est-ce qu'on est. On s'est à l'aise avec. Qu'est-ce qu'on a discuté? On est sur la même page un peu. Puis aussi, par rapport aux minorités visibles, tu sais. Puis invisible, il y en a d'autres, on pourrait continuer à en parler quasiment juste un an de ça, mais aussi tout ce qui est socio-économique, ça rentre dans minorité invisible, ta maladie, si t'as la diabète ou lupus ou quelque chose comme ça, tes droits, tes besoins sont différents. Puis, ouais, juste m'assurer qu'on est sur la même page pour ça, là. Alright. Cool. So, on a parlé de graffiti, on a vu quelques exemples. Puis là, j'aimerais ça juste vous montrer aussi Norval Morisseau. Je vais revenir à Carl après, pardon. Mais oui, Norval Morisseau, c'est pas un artiste graffiti, mais la raison que je vais en parler, parce qu'on va parler d'appropriation culturelle, mais c'est définitivement quelqu'un qui a commencé qu'est-ce qu'on appelle aujourd'hui l'école des arts comme Woodland School of Art. Puis Norval, il vient proche de Beardmore, dans le fond. Ça, je vais essayer de vous le faire. Juste la mettre là. Tchut, on va la voir un peu plus. So, voici pour vous. Norval vient de Beardmore et dans sa communauté, il parlait Anishinaabemowin. Puis, dans la tradition orale de sa communauté, pour partager puis pour préserver les histoires, sa culture et quoi que ce soit, ces histoires-là se faisaient partager oralement. Mais là, comment est-ce que quelqu'un qui ne parle pas l'Anishinaabemowin peut écouter à ces histoires-là? C'est là où ce que le Woodland School of Art a commencé, c'est qu'on a commencé à les communiquer visuellement, en faisant cette école d'art. Donc, ceci, l'objectif du Woodland School of Art, c'est de préserver la culture, son héritage et ses histoires. So, souvent, quand je vais être en atelier, en salle de classe, je vais demander aux participants, hey, pourquoi, tu sais, on n'a pas beaucoup de temps en place de créer un concept, on ne fait pas juste copier ceci, comme le mural, pour notre concept de notre mural. Puis là, tu sais, les participants vont me regarder, puis vont faire, je sais pas, ben ça a l'air difficile. Je commence, ah, ça, je suis pas inquiète, je suis certaine que vous êtes capable. Puis après ça, je vais leur demander d'autres choses, genre pourquoi d'autres qu'on ne copiait pas? Puis il y en a qui vont commencer à comme catcher là, puis me dire, ben c'est pas original, c'est copié. OK. Puis c'est là aussi que j'arrive plus à parler. Ben si on serait à reproduire ceci. Ça, c'est l'histoire de la culture, de l'héritage à Norval Morisseau. Right? Combien de vous autres est-ce que vous connaissez là, 100% son histoire, son vécu ou quoi que ce soit? Pas vraiment. On n'est pas là. On ne connaît pas. Ça fait quand même assez longtemps qu'il est décédé, 2008, si je ne me trompe pas.
So, il y a grande chance qu'on peut faire des erreurs quand on va les reproduire. C'est là que quand on parle d'appropriation culturelle, premièrement, ça ne nous appartient pas, cette histoire-là. Ce n'est pas la nôtre. Deuxièmement, combien de chances qu'il y aurait qu'on va faire des erreurs? Puis, c'est le fun de parler aux kids beaucoup parce que je vais leur dire comme, hey, es-tu prêt à parler de Norval tout de suite, de tout me raconter sa vie? Puis, ouais, comment, non, non, je vais faire des erreurs. Mais quand on copie ça ici, c'est la même chose que comme parler pour lui. C'est, on a déjà vu des erreurs, des conséquences de tout ça dans le passé. C'est comme à l'époque, quand on, en place de laisser les gens parler, Inuit, on a décidé de parler pour eux. C'est comme ça qu'on s'est fini avec des expressions puis des fausses identités comme le mot Esquimau. Il y en a qui me disent, ouais, mais tu sais, c'est pas offensif ou quoi que ce soit. OK. Je te lance ce scénario ici. Imagine-toi que dans ta famille, all right, ton menon qui fait de l'or depuis forever, du soapstone, c'est ton héritage, ta culture, ta tradition. Puis là, t'entends parler que ça va être au Musée des beaux-arts du Canada. On va vous célébrer, on va vous honorer. Puis là, t'arrives là, puis ça dit Eskimo Art. En Inuktitut, Eskimo veut dire mangeur de viande crue, right? So, est-ce que tu te sentirais comme respecté puis honoré si, premièrement, on t'identifie pas de la bonne façon, on t'impose une identité, puis en conséquence de ça, déjà avec ce manque de respect-là, on va voir systématiquement dans la majorité des musées, moi, j'ai pas besoin d'une carte. Quand je vais au Detroit Art Institution, puis jusqu'avant que Jamie Cobell au Musée des Beaux-Arts du Canada arrive, tout l'art inuit était dans la cave. Tous les musées presque au monde que j'étais allée dedans jusqu'à présent, si tu recherches l'art africain ou l'art des peuples, c'est dans la cave. Quelle sorte de comme message est-ce que ça passe, tu sais? À une communauté, au monde ou en fait de respect. So, quand je parle d'appropriation culturelle, c'est vraiment de prendre l'histoire à quelqu'un, pas essayer de la raconter à ta façon de le prendre. Mais là, c'est quoi les conséquences de ça? Qu'est-ce qu'on a de là? Puis c'est ici où ce que. Puis dis-moi, Amy ou whoever, là, quand je vous montre comme ça, est-ce que vous voyez en entier? OK. So, comme... So, voici un exemple d'appropriation culturelle qui est quand même assez courant. Je vais juste vous la remporter ici. Où est-ce que j'ai mis ça? OK. Oups. Regarde, j'ai la misère. Pardon, patientez avec moi. Je vais juste. Ah, OK. Je vous présente ici, c'est une artiste de Toronto qui présentement fait fureur. Elle a plein de gros shows. Son nom, c'est Amanda Piel. Amanda Piel est d'héritage, si je ne me trompe pas, du nord-est de l'Europe. OK? Puis elle, voici ses œuvres qu'elle fait. OK? Puis elle dit qu'elle a appris ça dans un rêve, puis qu'elle est allée à Thunder Bay, puis elle a eu quelques cours, puis elle a fait du Woodland School of Art, malgré que c'est pas son héritage, c'est pas du tout sa culture, sa langue, puis même la façon qu'elle la signe, c'est vraiment beaucoup. Puis si vous avez le temps aussi de juste la googler, vous allez voir ses œuvres. Elle a littéralement copié les œuvres type pour type de Norval Morisseau. Puis le Woodland School of Art, c'est une façon de préserver l'héritage et la culture. Puis elle a décidé de faire une carrière, de gagner du pain en faisant juste ça, de le copier. Même avant d'arriver aux grosses conséquences de ça, juste le fait que si vous regardez, si je peux vous suggérer, 21
Things You Should Know About the Indian Act. C'est un des meilleurs livres en ce moment pour comprendre pourquoi, quand on prend quelque chose d'une autre culture, même avant de parler d'appropriation culturelle, c'est que pas trop longtemps passé, on avait encore des conséquences de porter des beads, de peinturer, de parler la langue, de quitter la réserve sans un billet de permission. T'sais, on avait même, pour être considéré humain, il fallait choisir de ne pas être, si tu voulais être considéré humain, de ne pas être au Canada. Tu pouvais pas être Anishinaabe, tu pouvais pas être de Première Nation, Métis ou Inuit. Il fallait que tu dénonces ton identité. Sauf que là, que quelqu'un profite de ça déjà, non. Puis, quand je parle de conséquences d'appropriation culturelle, so, encore une fois, l'appropriation culturelle, c'est de prendre quelque chose de l'héritage, de la culture, puis faire comme si ça t'appartient. Quand ça vient avec Amanda, c'est qui a eu des conséquences? Quand elle a le copié les œuvres de Norval Morisseau. C'est là où c'est que, en salle de classe avec les participants, c'est super intéressant comme question parce que comment le plagiat? Je suis comme, OK, c'est quoi la conséquence du plagiat? Hors de l'école, hors d'une académie, c'est quoi les conséquences? Copyright, blablabla. Mais c'est qui va arrêter ça? Parce que si tu regardes vraiment aux conséquences, c'est qui les a eues? On a déjà établi en fait que minorité visible puis invisible, c'est qu'on a moins de plateformes, on a moins de représentations. Regardez à Ottawa en ce moment. Je pense que c'est Christina Quarry qui a fait une liste des galeries à Ottawa que dans leur roster d'artistes permanents, combien d'artistes de couleur qu'il y avait? Puis il n'y en avait pas. Puis là, je pense, Veronica peut peut-être me corriger, mais il me semble que c'était Christina Quarry qui a sorti cette liste-là cette année. Si je ne me trompe pas, c'était genre au mois d'avril. Mais on n'a vraiment pas. Oui? C'est pas Christina Corey a she shared it, Ah, mais c'est créé par Lou, une femme qui travaille à le Ottawa Art Gallery. okay. OK, génial, mais merci Oh, par merci. cette liste. Là, cette liste-là, je trouve que c'était super importante. Ça a été tellement un coup de réveil. Sous quand les gens sont toujours comme. Juste hier, j'étais en train de parler pour. Je marchais vers une murale de Black Lives Matter. Puis il y a quelqu'un qui écrit But white, it's okay to be white. Mais je suis comme là, on n'est pas là encore. Parce que si tu regardes, il n'y a même pas de place dans les galeries à Ottawa, dans la capitale, dans un milieu artistique qui est supposé être plus accepting, puis d'expression, puis quoi que ce soit, puis on n'a pas ces représentations-là. Sauf quand on dit qu'est-ce qu'il y a des conséquences d'appropriation culturelle, ben, on vient de basically mettre du duct tape sa bouche à Norval Morisseau. On vient de cacher son histoire parce qu'on vient de dire aussi, elle, déjà, elle a plein, il y a plein de galeries qui la bookent sous sa version de du Woodland School of Art, qui est erroné, est en train de se faire propager tout partout, malgré qu'en cours, en ce moment, avec Norval Morisseau, les gens regardent ses œuvres, est-ce que c'est une fake ou quoi que ce soit, mais l'histoire, la culture, quoi que ce soit, est pas en train de continuer. Il y a juste, je pense, quand même, le Musée des beaux-arts du Canada, ils en ont tellement qui sont en archive, mais qui sont pas toujours en permanence. Puis, toi, si t'es Amanda Pierre, ou toi, si t'es cette personne-là. Puis là, on va dire, ça, là, je sais pas comment faire, là. Ça, c'est Amanda, puis ça, c'est Norval, OK? Puis si toi, t'as pas de conséquences à voler l'art de la culture de quelqu'un d'autre, qu'est-ce qui t'empêche d'aller plus loin? C'est là où ce qu'on est rendu en ce moment. On a pris la culture, on a vu des gens comme Grey Owl, Archie Archibald, qui a fait Acrère d'être Anishinaabe, qui a fait des poèmes, qui a nourri des stéréotypes, qui disait que comme si tout le monde avait des headdress ou quoi que ce soit. Oui, ses poèmes étaient beaux, mais c'était pas à lui, c'était pas sa place. Puis il a tellement créé, ridiculisé une culture, un peuple complètement en entier. Puis quand il n'y a pas eu de conséquences à prendre la culture, à prendre de l'art visuel, c'est là où les gens se sont donné de la place à dire, ben, si je peux voler ça,
Qu'est-ce qui m'empêche d'utiliser des mots comme savage? Puis on le voit aujourd'hui sur Instagram. On voit des t-shirts ou quoi que ce soit. Mais encore aujourd'hui, on n'est pas là encore. C'est ça, on en regarde à Thunder Bay avec Barbara Kettner. C'est en train de se passer en cours encore aujourd'hui. C'est une jeune fille de Thunder Bay qui, contrairement comme moi, moi, j'étais une minorité invisible. Elle, sa culture, ça se voit, son visage, ça se voyait, pardon. Puis, elle est en train de marcher. Puis, il y a un gars qui s'est donné la permission, parce que c'est là où ce qu'on est rendu, de lancer un trailer hitch. Il a lancé un trailer hitch. Puis, une fois qu'il l'a lancé, il a regardé au conducteur, puis il a dit, I think I got one. En voulant dire une savage, I got one. Avec le trailer hitch, sur la raison qu'il s'est donné permission de faire de la violence à elle, c'est à cause qu'il n'a jamais eu de conséquences d'utiliser des mots comme drunken savage, drunken Indian, tout ça, tous ces trucs-là qu'avec le temps, on a laissé passer, comme de l'appropriation culturelle qui a commencé ce cycle-là. Comme quand on voit juste Frankie au Value Village, je pense que c'était 2 jours passés, sexy, Indian, comme option de Halloween costume. Mais on est, non! Comme c'est une culture, t'as pas la permission de penser, ça s'appelle un regalia, les vêtements traditionnels, merci, puis pas un costume. Puis des exemples de ça que j'aime parler avec les élèves en classe ou mes participants ou quoi que ce soit, c'est t'irais-tu voir, une mariée, puis dire « Hey, girl, j'aime ta robe. Est-ce que je peux l'utiliser comme costume d'Halloween? » Non. Oh! Tu sais, comme, ben non, le bridezilla va freak out. Puis, pourquoi est-ce qu'on se donne la permission de quand c'est différentes cultures, différentes identités, qu'on peut utiliser qu'est-ce qu'ils utilisent en cérémonie ou des trucs traditionnels comme loisir, comme hobby, comme ridiculisation? Ou comme, j'ai même, puis c'est une, je pense que c'est Audrey Partridge de The Hills. Elle avait même été habillée, qu'est-ce qu'elle appelait Sexy Squaw, qui est absolument démoralisant. Puis le costume venait avec des bullet holes. Imagine-toi les membres de famille de quelqu'un qui est une murdered missing indigenous woman. So, qu'est-ce que tu vois? Comme, so, quand on parle d'appropriation culturelle, quand on parle, puis là, j'ai utilisé des exemples. Pour le Woodland School of Art de Anishinaabe, de Première Nation Métis Inuit, passer des exemples courants aujourd'hui de proche de chez moi, de Beardmore en Ontario, de qu'est-ce que je vis. Puis si je veux vous montrer un exemple de moi-même, j'ai fait des erreurs. Mais ça se passe dans beaucoup de cultures, comme Dias de la Muertes, comme Halloween s'en vient encore une fois. Puis faut pas oublier que le jour de la mort, ça serait comme si on irait voir un vétéran, puis on dirait au jour du souvenir, « Hey, demain, je peux t'emprunter ton get-up pour le Halloween? » Est-ce que tu irais voir un vétéran faire ça? Non! Jamais! Donc, pourquoi est-ce qu'on se donne la permission de le faire quand c'est d'autres identités culturelles, quand c'est d'autres mondes? Parce qu'il n'y a jamais eu de conséquences, parce qu'on a commencé avec l'appropriation, on a commencé avec les traditions, la culture, de se moquer, on a commencé avec des mots dénigrants, comme squat, comme tout ça, puis juste pour dire encore Brenda Kettner, quand tout est arrivé, les journaux ont tout de suite mis toute l'information au sujet d'elle, ils l'ont criminalisée, ils l'ont... Mais non, c'était la victime, elle a absolument rien fait, puis elle est décédée, comme, et... So, imagine-toi d'être sa sœur qui arrive au Blue Notes ou au Urban Outfitters, puis qui voit un t-shirt qui dit « Savage ». Puis que la caissière donne permission, oh, but that's not how we mean it. On n'est pas là encore. On n'est tellement pas là. J'ai hâte qu'on soit là, mais on n'est pas là encore. Donc, quand je parle d'appropriation, de prendre la culture à quelqu'un, puis de faire comme si ça nous appartient, non, on n'est juste pas là. Puis c'est pas, je suis pas en train de dire d'éviter complètement. Puis c'est ça qu'est-ce qu'on est en train de voir un peu aujourd'hui. Puis c'est pour ça que je veux revenir à Calcadan Afessa, à Sefa, pardon. Mais c'est comme, regardez l'œuvre, pas celle-là, évidemment, ça c'est de la propre culturelle, mais la celle de Norval Morisseau. Qu'est-ce que vous appréciez? Est-ce qu'il y a beaucoup de couleurs? Qu'est-ce qui se passe dans l'image? Y a-t-il des histoires?
Yeah! Est-ce qu'il y a des animaux que tu reconnais? Oui. C'est quoi ton histoire? C'est ça, qu'est-ce que j'adore de la jeunesse. Moi, je suis tellement, tellement confiante que la jeunesse va nous sortir de cette autre pandémie qu'on est en train de vivre, de racisme, de violence qu'on se donne permission de faire aux gens à cause qu'ils sont d'une minorité visible ou invisible. C'est que je demande tout de suite, OK, ben, ça, on va casser ce cycle-là, là, de violence, d'appropriation culturelle. Qu'est-ce qu'on peut faire à place de copier cette murale sur le mur? Puis tout de suite, dans 1, dans 3 secondes, on peut raconter notre propre histoire, madame. Comme la jeunesse, ils l'ont la faille, ils l'ont la recette, là. Puis il faut juste y faire confiance, vraiment, tant qu'à moi, là. Ça, c'est peut-être mon fast-food qui sort, là. Mais oui, c'est comme, OK, puis on utilise beaucoup de couleurs dans la murale, comme que Norval a fait ici, dans cette grande œuvre-là, que en ce moment est au Winnipeg Art Gallery. Est-ce qu'on est en train de voler sa culture, son histoire? Est-ce qu'on est en train de parler pour lui? Non! Ah, cool! C'est les animaux que tu as là, qui sont... Prenez ton histoire pour la raconter après. Est-ce que c'est l'appropriation culturelle? Non! Il y a une façon d'apprécier. Tu sais, l'argument, ouais, mais mes intentions étaient d'apprécier. Il y a une façon de le faire sans parler pour quelqu'un d'autre. C'est comme House of Paint disait à l'époque, pass the mic. Mais c'est exactement ça. C'est de passer le micro, passer le pinceau, passer la canne, vraiment s'aider puis créer un espace pour les minorités, mais aussi pour s'assurer de respecter. Parce que, tu sais, j'entends, j'ai des gens qui me disent, ben, ouais, on a fait à la façon de Norval Morisseau parce que je l'aime beaucoup. Oui, mais fais attention, parce que même si tes intérêts sont bons, le dommage que tu as fait, c'est du dommage. Si vous me permettez, là, dites-moi, je pense que je suis pas trop zoom-zoom, là. Est-ce que vous voyez bien cette image? Oup, est-ce que vous la voyez bien? Quelqu'un? Veronica? Tu vois-tu la murale mosaïque? Oui? Oui, nous voir bien. Oui? OK, génial. Merci beaucoup. Puis je vais vous montrer le croquis ici, est-ce qu'on le voit quand même? Merci, Nadia. C'est le fun de savoir que tu es là, Nadia. Vous allez voir que ça, c'était le croquis original de la murale. OK? Vous pouvez voir les différences. Si on a le poisson, qui a différentes couleurs, c'est une différente baleine. Et en gros, le phoque, super important, a changé. Cette murale a peut-être été une des plus grandes leçons que j'ai eues par rapport à comment prendre du recul, puis comment que dans le graffiti, dans des projets de hip-hop comme ça, le dialogue qui se passe pendant le projet est aussi important que qu'est-ce qui se passe avant. Donc, cette murale est à Vanier, sur le chemin Montréal. Est immense. C'est quelque chose qui a été vraiment... Oh, je sais pas ce que j'ai fait là. Et c'est une murale, comment dire, qui a été votée par le public. Il y a eu plein de choses. On a fait des croquis. C'est moi et Calcadanus SFA qui l'a fait ensemble. Puis quand on a commencé avec ce croquis-là, comme vous pouvez voir, la baleine était pour être là, la forme originale du bébé phoque était pour être là, il y a eu quelqu'un qui a commencé une pétition pour qu'on arrête la murale. Parce qu'il y a eu un article dans le métro que quelqu'un disait que je représentais la culture inuite, mais je ne suis pas inuite. So, ça aurait été de l'appropriation culturelle si j'aurais fait ça. Puis l'erreur ou ce que j'ai fait, c'est que dans l'entrevue originale, j'avais parlé de comment qu'à l'époque, parce que je pense que ça a changé, la plus grande communauté inuite était à Ottawa pour plusieurs raisons. Parce que je trouvais que c'était important, parce que les murales ne reflétaient pas la communauté de Vanier. Hein? Vanier, c'est tellement une belle diversité. Moi, je me considère quasiment la mascotte de Vanier, là. Je suis comme, ben non, ce serait Barbie, là, let's be real, Barbie Stable.
Mais oui, comme je suis juste fière d'être de Vanier, puis il y a tellement une belle diversité, puis il y a une richesse. So, on voulait vraiment faire ce croquis-là sur le mur de H&R Block. Quand on a commencé ça, il y a quelqu'un qui a commencé une pétition par rapport à l'article du métro qui avait sorti. Puis là, j'avais des gens qui venaient me voir, as if you're doing this, des organismes pour les tech, le BIA, j'étais avec Calcadan, j'étais en gros slam, j'étais comme, oh my God, what's going on, tu sais? C'est là qu'on a vu qu'on a eu une belle chance de pouvoir s'asseoir puis écouter. Parce que quand une pétition a un certain nombre, il faut quand même que tu l'adresses ou quoi que ce soit. Puis avec l'aide de House of Paint ou quoi, on a pu vraiment recontinuer à non seulement parler au sujet de comment que les médias, faut qu'ils fassent vraiment comme avoir le consentement de comment tu donnes une identité à quelqu'un, pas juste d'assumer leur identité puis de le publier parce que ça peut faire des choses comme imposer des actes d'appropriation culturelle ou ça peut, c'est juste le consentement. Tant qu'à moi, c'est super simple. Tu demandes à la personne comment est-ce que tu t'identifies, c'est simple. Tu sais, quand je suis en salle de la classe, je regarde quelqu'un, hey bud, hey, c'est quoi ton nom? Todd, Todd, hey, merci Todd. Ça a-tu fait mal? Non. Je sais c'est quoi ton nom, c'est facile de même. Tu sais, si on aurait fait ça tout au long de l'histoire, on n'aurait pas fini avec des actes de violence latérale comme dire savage, comme dire Eskimo, comme dire comme ah, tu sais, on pourra en nommer pour toujours. Puis c'est là où que la communauté, puis je trouve ça beau de Vanille, là, on s'est toutes réunies, on a fait comment est-ce qu'on peut vraiment ouvrir la table à la discussion d'appropriation culturelle. Puis moi, en effet, avec Calcadown, on avait juste choisi les animaux en premier parce que c'est des animaux qu'on trouvait beaux, qu'on voulait vraiment peindre, puis quoi que ce soit. Puis c'est là où que la conversation a changé, puis on était capable de voir que on pouvait emporter plus de dialogue, plus d'informations. Si on a changé la baleine avec plusieurs discussions, en effet, avec Marcus Kiza, qui est maintenant quelqu'un que je peinture avec en permanence, mais c'est à travers cette muralité que j'ai rencontré. Puis il me racontait que lui, qui était au Nunavut, c'était le narwal qui mangeait plus. C'était pas cette baleine-là du tout. Donc, si on aurait gardé cette baleine-là, on aurait peut-être, ou veut pas, induit les gens en erreur que ça, c'était de la bouffe inuite à cause de la façon que le métro avait déjà abordé la conversation de la murale. Malgré qu'il n'y a pas un moment où moi et Calcadan, on n'avait jamais dit qu'on voulait représenter la communauté inuite, parce que ce n'est pas notre place, ce n'est pas à nous, ce n'est pas notre histoire, ça ne nous appartient pas. Puis ouais, si on a changé la banane, c'était cool parce qu'on a vraiment pu parler puis apprendre au sujet du muktuk, de la viande ou quoi que ce soit. C'était une chance aussi pour ces communautés-là de venir partager de tout ça. Puis s'il y a quelque chose que je peux dire, une solution à l'appropriation culturelle, c'est la bouffe et la langue. De parler de bouffe, de partager les recettes, de s'asseoir à la table puis de briser du pain ensemble, c'est un symbole de respect. Par rapport à l'histoire qu'on a toujours vue ensemble, la langue aussi. Puis en tant que franco-ontarien ou francophone, je sais pas pour vous, mais moi quand quelqu'un en anglais essaie de me parler en français, là, ouh, le sourire y arrive tout de suite. Tu sais, c'est juste ce nudge là de respect tout de suite. So, tout de suite d'être capable de changer, de modifier la murale une fois qu'on avait déjà commencé. Donc on a juste eu 10 jours à faire cette murale. C'était vraiment cool, ça, comme de prendre ce recul-là, puis de faire comme girl, t'as fait une erreur, t'aurais dû t'y prendre d'une autre façon, aurais dû plus écouter, aurais dû faire attention aux médias. Puis c'est là ce qu'on a vu le Norval. Puis en même temps, pour moi, c'était vraiment important parce qu'on a pu faire un petit nudge à Norval Morisseau avec juste le Norval. Puis après ça, le Arctic Char, le poisson que vous voyez. On l'a changé de couleur parce qu'il y a eu des aînés qui sont venus nous parler pour dire que les couleurs qu'on avait dans notre dessin original, c'était du Arctic Char de la ferme. So, c'était comme pas l'original, c'était plus colonisé, modifié. Mais le sel plus mauve comme ça, hein, c'était comment elle, elle pêchait. Puis qu'est-ce qui était vraiment cool, c'est qu'elle est venue nous l'emporter comme
Ah, puis Veronica puis Aimé peut attester à ça. Même pas la semaine passée, on est encore en train de s'échanger de poissons. J'ai reçu du poisson à l'aéroport. Puis vous voyez le genre de dialogue, de rapport. Puis cette madame-là, je l'ai vue aller au mur puis dire ça, c'est son poisson. Puis ce sens d'appartenance-là, de visibilité, c'est tellement important d'être capable de se voir, de oui, c'est capable, c'est pas weird la bouffe qu'on a là. T'as qu'à moi, c'est tellement, tellement important. Après ça, l'autre truc qui était vraiment important, c'est le phoque. Je sais pas si vous voyez la différence, mais le sel qu'on a peint, qu'on a fini par peindre, il est beaucoup plus vieux. Hein? Puis il est chubby, il est gros, il a une bedaine. There we go. Mais l'autre qu'on avait, c'était un petit pop, il était cute. Puis sans consciemment savoir, mais c'est quand même notre responsabilité, parce que c'est nous les gens qui sont en train de communiquer visuellement. Alors, on est en train de mettre le message, mais on aurait nourri cette fausse prétexte, cette conversation qui est en train de se passer sans les gens de la communauté, que le seal clubbing, que comme le phoque qui mange ou qui chasse, c'était des bébés phoques qui n'est pas vrai du tout. Il y a une surpopulation de phoques en ce moment qui est absolument incroyable à cause du gouvernement qui impose des lois dont ils ne se connaissent pas. C'est pas leur rapport. Mais aussi des gens comme Ellen qui ont fait des commentaires en disant que comme du psy, faut les sauver ou quoi que ce soit. Actually, le phoque en ce moment avec la surpopulation, certaines conséquences qu'on voit, c'est le manque de poissons blancs qui est une source naturelle d'insuline. Sous tout ce débalancement-là, on aurait nourri ce stéréotype-là. Puis aussi, si vous regardez dans le croquis, c'est le bébé, il y a de l'air beaucoup comme le sel qu'ils utilisent dans la promotion qu'ils font contre la chasse de WWF. Sous s'arrêter comme si on ferait une annonce publicité, puis on aurait comme été à l'encontre de notre objectif. Puis là, on était capable d'avoir cette conversation-là. Puis j'ai pu beaucoup apprendre, comme juste avec le changement de trois animaux. Puis oui, ça a été un gros défi parce que tu vois déjà qu'on avait primé ou quoi que ce soit. Mais c'est tellement, le dialogue est tellement plus important que la murale. Tellement, tellement plus important. C'est pour ça que prendre du recul, de se corriger, de prendre le temps d'écouter, puis je dis pas comme c'est la responsabilité à tout le monde, mais si on est pour mettre quelque chose sur le mur comme ça, en tant qu'artiste, comme par exemple Miss Van, elle a essayé de faire une image de Blackface qui donne une caresse à une femme nue blanche dans une murale, puis elle s'est dit, ben, mon intention était pour qu'on puisse voir que des couples multiculturels existent. Girl, ça peut être ton intention, mais qu'est-ce que tu as laissé au visuel avec les gens? Ça a juste l'air comme un blackface qui caresse une femme nue. Puis t'es pas à côté de ta murale en train de t'expliquer à chaque fois. Ta façon de communiquer, c'est ton art, c'est tes couleurs, c'est les images. Sous notre responsabilité, c'est de s'assurer que c'est clair, net et précis. Qu'est-ce qu'on est en train de mettre sur le mur, puis ces trucs-là. Donc, quand je parle d'appropriation culturelle, quand je parle des conséquences, c'est vraiment ça. Puis depuis ce temps-là, là, je vais essayer de trouver une couple d'exemples. Je vois que je prends déjà beaucoup de temps. De solutions. Je sais pas si je suis capable de le trouver. Yeah! Oh, j'ai déjà perdu. OK. C'est celle-ci. Je sais pas si vous pouvez voir. Ça, c'était en Suède. J'étais vraiment choyée. J'ai représenté le Canada en Suède pour le graphe avec Poutine. Premièrement, juste comme ça, l'équipe qu'ils ont envoyée en Suède pour représenter le Canada, c'était Mick Poutine. So, déjà, on a nourri des stéréotypes, whatever. Ça va arriver, c'est drôle, c'est une bonne façon de commencer. Mais sur l'estrade, on avait le groupe Arc Cirque qui performait en peau de phoque en Suède. Puis déjà, il y a des tensions avec leur propre peuple au sujet de la peau de caribou, quoi que ce soit, les gens samis en Suède. Donc, les artistes se sentaient un peu comme, oh my God, si on grimpe sur l'estrade, est-ce qu'ils vont nous grocher de la peinture rouge? Tu sais, il y avait des inquiétudes. So,
Pour montrer notre solidarité, puis comme alliés, on a fait notre recherche, puis on a utilisé les syllabics en Inuktitut, pardon, sur les shipping containers pour quand ils regardaient à l'estrade. Tu vois, il y a une estrade là, mais il y en a une autre juste sur le côté. So, quand ils embarquent sur l'estrade, ils savent déjà on est là pour leur supporter, pour leur montrer. C'est pas ça dit I love you, là. Pour juste vraiment faire un nudge so, à place. Parce que je ne suis pas Inuit, je ne. Mais la langue, c'est une façon de vraiment montrer on est là avec toi. So, encore une fois, je ne peux pas pousser comme la langue, la bouffe, mais de ne pas parler pour les autres, mais de vraiment, c'est ça, s'informer, faire notre recherche, c'est tellement important parce que les conséquences de l'appropriation culturelle, on est en train de les vivre, puis ont été de continuer à se donner permission de traiter les gens différemment à cause de leur identité culturelle, soit à cause qu'ils sont de minorités visibles ou invisibles aussi. Puis on a juste plus de place pour ça. On a vraiment pas comme, oui, on est en train de vivre une pandémie avec le COVID, mais on est aussi en train de vivre une pandémie par rapport à la santé mentale, le confinement, mais aussi les permissions qu'on se donne de juste tout garocher des airs puis de blâmer sur le COVID, puis de laisser des choses comme qu'est-ce qui s'est passé à Joyce? Jamais son arrêt a été ça dès le début. Jamais que ces gardes-marins-là, ça aurait donné permission de la traiter de grosse épaisse, de non seulement, puis c'est ici où que je trouve que les médias nous ont un peu fait faillite. Ils ont refusé de l'écouter par rapport à comment qu'elle voulait être traitée pour refuser de la morphine à cause de son allergie. Puis ça l'a tué. Pourquoi que ça, c'est pas le headline? Pourquoi qu'on concentre sur juste les propos de dépasse? Tu sais, quand on parle d'appropriation culturelle, du racisme ou quoi que ce soit, oui, c'est d'utiliser certains mots, mais c'est aussi la permission d'agir d'une certaine façon. Okay. Là, je vois qu'il me reste déjà juste 15 minutes. Par rapport à tout, je sais que j'en ai mentionné beaucoup, on pourrait se passer une semaine ensemble à regarder à des exemples d'appropriation culturelle, mais aussi de comment on impose ce genre de comme, oh, that's a political mural, la seconde, tellement qu'on n'a jamais cédé de place aux artistes de minorité visible ou invisible, qu'une fois, comme quand Carl Kellan fait quelque chose, les gens sont tous comme, it's political. Yo, il a fait, je pensais à Parler, une peinture d'une murale de Nina Simone. Ça se peut-tu? Puis les gens assument parce qu'on n'est tellement pas habitué de voir des gens de couleur sur le mur. Et puis, je trouve ça super triste. Un artiste, s'il vous plaît, si je peux vous suggérer d'aller voir, c'est Detour. J'ai travaillé avec lui à Halifax pour le Bigger Picture. So, c'est Mulgrave Park qui était Africville avant. Mais c'est aussi, tu peux aller voir There's Something in the Water par Ellen Page. Sur Netflix, il en parle beaucoup. Mais comment ils ont déplacé une communauté africaine. Parce qu'ils voulaient avoir vue à l'océan, Ocean View. Puis là, c'était à Mulgrave Park. On a fait toutes des murales dans ce quartier-là. Puis Detour a fait une petite fille avec ses cheveux-là, ses cheveux naturels, une fille noire. C'est. Ah! De voir les petites filles sortir, j'étais trop choyée parce que je peinturais au mur adjacent. De voir les filles être capables de se reconnaître, ils allaient se changer les cheveux comme la fille dans la murale, portaient leurs petites choses, puis étaient tellement fiers. Ils sortaient parce qu'ils se voyaient sur le mur, ils étaient capables. Parce que pour trop longtemps, sous le couvert de Vogue, sous le couvert de tout ça, on ne voyait pas. Puis si tu regardes le September issue de Vogue UK, yo, c'est comme, yeah, on est capable. Le plus de visibilité, le plus qu'on est capable de se reconnaître, le plus qu'on pense qu'on est capable. Sauf quand on parle d'appropriation culturelle, oui, c'est d'enlever puis de fermer la bouche puis de bloquer les histoires des autres. Mais si tu es en train de dire en même temps que tu ne vaux pas. So, yeah, quand je parle d'appropriation, c'est ça. So, s'il vous plaît, si vous avez la chance, Detour pour le Mulgrave Park, Bigger Picture, vous pouvez voir que quand qu'on cède la place, puis quand on arrête d'approprier la culture, mais quand on passe le micro, les belles choses qui peuvent arriver. Pink Flamingo aussi, c'est un projet de Calgary qui est en train de se passer, qu'on a vécu avec House of Paint. Mais oui, par rapport à ça, est-ce qu'il y a des questions, la crew?
Alexandre ou Nadia ou... Je vois qu'il y a aussi des artistes graffiti parmi nous. Parce qu'il nous reste environ 10 minutes. Y avait-il des questions? À Veronica? S'il n'y a pas de questions. Oh, oui. Il n'y a rien de questions sur Facebook. J'ai juste checké. OK, merci. Mais oui, juste le fait que vous avez participé aujourd'hui, que vous êtes là un dimanche à 13 h, déjà ça, c'est beaucoup, je trouve. Le plus de conversations inconfortables qu'on a, puis le plus qu'on ne met pas ça sur le dos des gens, parce que c'est vraiment comme, oui, je suis métissée, mais j'ai la peau blanche, puis le racisme, puis l'appropriation culturelle, c'est un problème qui m'appartient, c'est pas à la personne qui a cette identité-là ou cette culture-là. C'est vraiment à nous de trouver des façons, puis de créer des standards de qu'est-ce qui est pas acceptable, puis de pas le laisser passer. Y a pas de questions? Non? Ouais, je sais pas comment. OK, cool. So sur ce, parce qu'il reste juste 10 minutes, ouais, si je peux vous suggérer fortement sur The Bigger Picture, Detour, The Pink Flamingo Project, mais aussi Unseated Voices, les voix insoumises, si vous cherchez pour des exemples d'artistes qui parlent de leur identité culturelle, comment ils veulent être identifiés, puis pourquoi c'est important pour eux. Qu'est-ce qui est cool, c'est environ 30 vidéos, sont toutes sur YouTube, sur leur site web. C'est des artistes femmes qui s'identifient comme une femme, Anishinaabe, un peu tout, de tout partout dans le monde. C'est des vidéos de 5 minutes et des sous-titres en français. Il y a plein d'outils, de ressources. Là, pour continuer cette conversation ici, si ça n'a pas besoin de finir aujourd'hui, so, s'il vous plaît, si vous en avez besoin, je sais que Veronica ou moi, Veronica en a beaucoup là, est en train de quand même gérer un organisme en entier, mais ça, c'est quelque chose qui me ferait toujours plaisir. Alexandre Aimé aussi, qui est là, elle a tellement, tellement de ressources, c'est quelqu'un qui travaille à une galerie à Sturgeon, c'est vraiment cool, Art Studio à Sturgeon. Puis c'est juste de montrer comment qu'on est capable d'utiliser des éléments sans éviter de parler d'artistes qui sont d'une différente identité que nous, mais qu'on est quand même capable de les apprécier puis créer un standard. Parce que c'est tough avec le curriculum aussi qui disent à la manière de, à la manière de. Puis, yeah, moi, So, oui, une la dernière chance pour lesquelles. Question. Oh. C'est quoi le nom encore de le documentaire par Ellen Page? Oh, there's something in the water. C'est au sujet du systematic environmental racism qui se passe au Canada. So, quand on parle d'appropriation culturelle, puis de comment ça c'est aussi, c'est devenu en conséquence, comme si on regarde qu'est-ce qu'il y a. Yeah, there's something in the water. Merci. À Grassy Narrows. Qui est super important de regarder si on regarde tout ce qui est par rapport à l'eau. Si vous cherchez des modèles accessibles pour passer le micro, pour pas être obligé de parler, il y a des gens comme Serene Fox, il y a des gens comme Autumn Pelletier, il y a tellement de belles personnes qui sont en train de faire de l'ouvrage. Corey Bullpit, que si vous cherchez quelque chose de plus à l'ouest, tu sais, il y en a des ressources là. C'est de sortir de notre zone de confort, puis d'actually faire la recherche, puis d'aller, puis de s'assurer que quand on fait cette recherche-là, puis quand on invite ces artistes-là, que aussi on crée un espace sauf pour les accueillir. Allô? Salut! C'est moi, c'est Myriam, mais ou Mimi, j'ai une question. Dans le fond, je viens d'y penser.
Dans le fond, ben, ça s'adresse plus comme je voulais ton avis sur le côté. Moi, je suis dans les arts de la scène, là, fait, entre autres, je produis des spectacles de burlesque quand il n'y a pas de pandémie. Puis moi, tu sais, je suis blanche, là, fait que j'ai pas, tu sais, mais j'essaye vraiment d'avoir un, tu sais, comme une distribution inclusive. Mais je me demandais, toi, c'est quoi, quel périmètre tu utiliserais pour faire la différence entre, tu sais, avoir un casting inclusif de quelque chose qui est plus comme du tokenisme, là, tu sais, parce qu'on veut laisser la place aux autres, mais on veut pas juste leur laisser la place parce que c'est des minorités visibles, on veut... Fait comment tu jongles avec cet enjeu-là, là? Moi, personnellement, parce que ça m'arrive souvent, parce, en tant que femme franco-ontarienne, métissée, hein, tokenism, Ouais. chick, chick, chick. Puis, quelque chose avec ça, c'est que je trouve que quand on crée un standard, nos valeurs, nos mandats dès le début, quand on fait notre recherche, je trouve que c'est quelque chose qui vient plus naturel. Quand tu recherches pour qu'est-ce que l'artiste. Puis comme le message, cette intention, qu'est-ce qu'elle dit, qu'est-ce qu'elle peint, qu'est-ce qu'elle danse, ben c'est là où ce que je trouve ça s'arrive naturellement, versus que quand quelqu'un va juste faire comme, ah, par exemple, au Parlement, ils m'ont embauché, moi, je savais pas que c'était du tokenisme, j'ai commencé à beaucoup plus le reconnaître, puis j'arrive, puis ils sont comme, pourquoi t'as des cannes de spray paint? Je suis comme, ben, c'est mon seul médium ou quoi que ce soit. Puis c'est là où ce que... Tu sais, c'est tough, mais c'est prendre du recul à chaque fois puis de faire sa recherche, mais en même temps de regarder qui tu sais, parce que c'est pas chaque artiste à cause que c'est leur identité que, comme moi, je suis pas un artiste traditionnel, pas du tout. Si tu cherches à avoir quelqu'un dans ton école ou quoi que ce soit qui va apprendre sur la traditionnelle, non. Y a pour le télé, tout ça ou quoi. Pareil, pareil, comme je travaille beaucoup en télé, puis je vais m'assurer, mais c'est de trouver quelqu'un que leur mandat puis leurs objectifs, qu'est-ce qu'ils ont envie de dire, tac à moi, là. Parce... Mais c'est tough, puis c'est quelque chose que je trouve comme à chaque contrat, quasiment, je prends du recul, comme je travaille dans télé avec TFO en ce moment, puis Radio-Canada, puis yeah, puis c'est tough parce que on la regarde aussi à des gens comme Joseph Boyden. On en regarde à des choses comme ça, puis on ne veut pas se retrouver dans cette situation-là. Je pense que c'est d'avoir les conversations du consentement de l'identité de la personne aussi, qui est big. Comme moi, je l'apprécie quand on me parle tout de suite de comme, hey, nous autres, on aimerait quelqu'un qui vient nous parler au sujet de la justice sociale. Ah oui, OK, je me reconnais là-dedans. Ah, hey, est-ce que tu connais quelqu'un qui serait prêt à parler de son héritage, sa tradition par rapport à ça? OK, oui, sur le cette personne-là applique ou te donne le consentement qu'ils ont envie de traiter ça. Je sais pas si ça répond à ta question. Oui, ben j'aime ça me donne un peu. Tu sais, parce que ça, des fois, il y a comme un malaise, parce que là, surtout comme, parce que moi, je veux faire des shows burlesques en Outaouais en français, fait que tu sais, comme c'est pas vaste, tu sais, comme le range là, que j'ai, fait comme, je pense que c'est intéressant cette approche-là d'un peu comme l'assumer, puis de faire, tu sais, au lieu d'être comme. Hey, tu veux être dans mon show? Puis là, tu sais que ça a l'air d'être comme, mais c'est parce que t'es une personne noire que je veux que tu sois dans. Ben, juste le dire, tu sais, hey, je veux que mon cast soit inclusif, tu sais. Est-ce que ça t'intéresserait de, tu sais, de représenter un peu ta identité-là? Tu sais, vraiment comme l'assumer, là, tu sais. Je trouve que House of Paint, avec qu'est-ce qu'on est en train de vivre ce week-end, ont tellement bien fait ça. Puis à cause qu'on est pris sur Zoom, ça nous a pas limité avec des frontières ou quoi que ce soit. Tu sais, j'ai eu quelqu'un de, on a eu Jen Merkel de Sudbury, sa même discussion que Cal Cadence. Mes deux mondes ont comme été ensemble, c'était juste amazing là. Mais oui, j'apprécie ce que tu dis, c'est d'être open aussi dès le début, mais d'avoir ces conversations. Oui, c'est peut-être un malaise pour toi, mais imagine-toi d'être l'autre personne, l'artiste qu'à chaque fois qu'elle t'apprend. Puis ça m'est arrivé en Suède, puis je vais pas mentir, en avant de 65 ambassadeurs, j'ai braillé. J'étais la seule sur le panel de discussion en avant des ambassadeurs. On était 22 artistes Anishinaabe en Suède pour représenter le Canada, OK? Bear Witness, tout le monde était là. Les Twin Flames, Jerry Cans,
Mais j'étais la seule sur le panel. Pourquoi? Ah, parce que j'étais peut-être la femme la plus blanche qui était là. Je pense qu'elle avait moins peur de qu'est-ce que j'étais pour dire. Puis quand je l'ai su, ça m'a brisé le cœur. J'avais pas d'affaire d'être là. Comme, j'aurais tellement voulu passer, céder la parole à Bear, céder la parole à des gens qui vivent ce racisme parce qu'ils sont une minorité visible. Tu sais, moi, j'ai beaucoup de privilèges. Il y a beaucoup de choses que je peux me permettre de dire que j'ai beaucoup moins de conséquences à cause de la couleur de ma peau. Puis mes aînés, ils s'assurent que je le dis pour eux autres, là. Vas-y, vas-y, toi, dis. So, yeah, c'est des grosses conversations qui... Ça se peut que je me trompe, puis ça se peut que dans quelques années, on va trouver des meilleures solutions. Mais oui, comme tu dis, de l'assumer dès le début, c'est quelque chose que moi, personnellement, je l'apprécie beaucoup, parce que là, c'est moi qui fais le choix. Est-ce que je veux embarquer là-dedans? Ah, ben c'est non, mais c'est ça, je pense que ça évite d'une certaine façon ce malaise-là. Cette espèce de non-dit, tu sais, comme des fois qui est comme ah, oh, penses-tu que, tu sais, c'est-tu du tokenisme? Tu sais, on veut pas mal faire. Le tokenisme vient beaucoup d'un manque de consentement. Tu sais, le consentement, je trouve, on a trop focusé sur cette sexualisation du consentement. Mais consentement, ça va par rapport à ton genre, ton identité, Absolument. tes informations, ces médias, qu'est-ce qu'on veut, ta vie privée. Tu sais, les gens assument qu'on veut ça tout, spécialement depuis le COVID, parce qu'on se tient beaucoup plus aux médias sociaux. Mais yeah, puis je pense, Unseated Voices. Si tu as la chance de regarder ces petits clips-là, surtout le celle de Aura, elle parle de son identité puis comment, puis pourquoi que c'est important pour elle. Puis je trouve ça l'aide à mettre ses conversations beaucoup plus alaisantes. Puis aussi, ça, je peux faire introduire à une artiste absolument incroyable. Mais là, si je peux suggérer ça, c'est qu'est-ce que j'aurais pour vous autres. Puis Nadia, est-ce que ça l'allait pour ta bonne question, c'est un problème dans mon industrie aussi, télévision. Yeah, absolument. So, je ne sais pas si ça répond. Moi, ça répond à 100 % là. Ça me donne une nouvelle piste. Puis merci énormément. C'était vraiment instructif comme, séance, là. Merci. Ouais, j'aurais aimé être là avec vous autres, là. C'est le fun de pouvoir plus parler, là. Mais c'est cool qu'on peut quand même faire quelque chose. Puis je dois dire, House of Paint, là, man, merci. Comme le montant d'artistes que j'ai été exposée à dans les derniers 2, 3 jours, là. Comme, hey, c'est un boost d'énergie, de confiance, de tout. C'est juste incroyable. Ah, merci, Nick. Est-ce qu'il y a des autres questions? C'est la dernière chance. Mon question danse. On joue quelqu'un qui est typing. C'est du typing? Non? Non? Ok, c'est peut-être mon truc qui a freezé. Merci encore. C'est où le bon passe? Pour les personnes qui trouvaient vous, mais qui sur l'Internet. Moi, c'est Instagram. C'est absolument Instagram. Mon site web, ça fait 3 ans que je n'ai pas updated. Puis ça, c'est quelque chose que je vous promets sur Facebook, puis sur Instagram, sous mon nom de Mick Michel. J'essaie le plus de partager les ressources parce que quand même, j'ai un gros privilège que je peux me promener de communauté à communauté. Je rencontre des artistes ou quoi que ce soit. Puis ça, c'est sûr. Si il vous manque des artistes, des références, Anishinaabe, ça, j'en ai. Je peux vous référer, puis quand ça vient à d'autres artistes de d'autres minorités, c'est sûr qu'ensemble, on est capable de les trouver, là. So, yeah, puis merci d'être là, surtout. Oh, merci à vous, mec, pour vos connaissances, vos temps, vos patience. Merci tout le monde pour participer. Passez une belle journée. Merci, bonne journée. Au revoir. C'est cool de vous voir, la gang, Amanda, Alexandre, Maria, Myriam, puis Nadia. Merci beaucoup.